Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode d'Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Il ne reste plus que Daruk à aller chercher, donc je vais déjà augmenter tout ce que je peux augmenter. Ça c'est fait, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Ça va être pour Urbosa. Tout à fait. Le petit cœur en plus qui va bien. Je mettrai cette force en œuvre au combat. Un coup de plus dans son tombeau. Ok. Quelle réussite! C'est fantastique! Et une nouvelle boutique, l'étoile des stars. Ok. Oh. Effectivement. Alors, est-ce que j'ai récupéré de quoi cuisiner? Oui, ça oui. Pas de souci. Une recette en plus. Ok. Ça, je ne peux pas. Ça non plus. Toujours pas, il me faut du miel. Donc ça, c'est un combat. Ça, il me faut un poisson qui me manque. Non. Combat, combat. Non. Non plus. Ça, je peux. Tout à fait. Un cœur en plus. Ok. Se rallier, je ne peux pas. Non. Non. Ça, c'est un combat. Ok. Alors, direction Daruk. Pourquoi tu me montres ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai récupéré quelque chose de particulier? Je ne crois pas. J'ai 747 rubis. Je vais les garder. Je préfère continuer à augmenter un peu mes ressources. Oui. Remarque que je peux mettre à l'entraînement certains persos peut-être. Donc on va mettre Impa, histoire de la faire un peu monter. Quel niveau est Link? 16. Ok. D'accord. C'est tout simple. Allez, direction Daruk. C'est parti. Les Gorons vivent dans le village Goron, sur le flanc de la montagne de la mort. C'est un peuple des volcans, composé de géants au corps dur comme le roc. Daruk, le grand champion des Gorons, doué d'un prodigieux pouvoir de bouclier, capable de protéger de toutes les attaques, a été choisi pour piloter Varudania, la créature divine du feu. Accompagné de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule au village Goron pour demander à Daruk de piloter la créature divine, mais... Mais quoi? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas dans la nature du grand Daruk de refuser son aide à qui la lui demande. Alors j'accepte avec plaisir. Enfin, il y a juste un petit problème. Hein? Mais en fait, c'est que la créature divine en question, bah, elle s'est mise dans un beau pétrin. Rudania est au sommet de la montagne de la mort. Et ces derniers temps, il y a de plus en plus de monstres là-haut. Rien que d'arriver jusqu'à lui, c'est la galère. Mais enfin, bon. Il en faut plus que ça pour vous arrêter, je parie, hein? Eh bien, Alors c'est parti.
En route pour la montagne de la mort. Ouais. Allez, c'est parti. Alors Daruk, par où on va traverser? Ah bah par le pont. Évidemment. J'ai quoi là? Ah, c'est leur bouffe. Hein. Réserve de nourriture, évidemment. Ouais, il y a du monde là. Je m'en occupe. Pas non.
plus dans l'esquive. Ok, carnage. Et voilà, je l'ai réglé son compte. Sérieux toi? Allez, on va changer un peu de perso. Alors, où suis-je? Non, c'est de l'autre côté. On va passer par là. On remarque qu'on va aller se faire celui qui est de l'autre côté. On va essayer. Salut les mecs! Alors. N'approchez pas. Essayons pas.
sacrifier maintenant. Sur qui elle a fait ça? Ça dégage. C'est terminé. Merci d'être passé. À la prochaine. Oh, attendez, vous savez quoi? Je vais... Non. Ça suffit. Hop, je vais envoyer le link ici. Voilà. Le village Goron, trop cool. Souriez. Yes, parfait. C'est terminé. Daruk. Non, Link. Ouf. Charmant ici. Alors où sont ces monstres qui sont apparus sur le champ de bataille? Ok, ils sont très très loin. À côté de Zelda en fait, je crois. On va tracer.
fallait bien que ça arrive. Hein. Bon, vous pouvez me faire bolosser, s'il vous plaît. C'est à croire que le volcan me vise. Spécial. Et on est reparti. Maintenant. Ok. C'est bon gars. Est-ce que toi tu cacherais pas un truc? Salut Darouk. Non, c'est pas par là. Mais c'est fermé. Jusqu'au. C'est ouvert? Non, c'est fermé. Est-ce qu'il faut battre le sorcier peut-être avant? Je ne sais pas, hein, c'est bizarre. Bon, Zelda. Je m'en occupe. Alors. Non. Ici. Oui. La vache. Quoi, des littoraux, trop cool. Ah, si elle est petite, ça veut dire qu'elle est grosse aussi, trop bien. Et si je disais à Bobby 1 et Bobby 2 de venir me rejoindre, par où ils passeraient? On va voir s'ils arrivent jusqu'à moi. Ah, encore un litho. Okay.
Ouais, mais rien. Ah, quand même. Oh, c'est nouveau ça. Ok. Ok, il tombe. Ouais. Est-ce que je peux monter dessus? Pas du tout. Ouais, il va tomber. Mais d'accord. Je peux pas monter, si je peux monter. Baguette magique peut-être. Voilà, tu devrais être utile. Moi je crois qu'elle l'avait tué dire. Ça dégage. Bien joué, princesse. Ok. Ok, nouvel ennemi. On y va. Est-ce qu'il y a toujours le passage par ici? Hop là. Il y a le canal. Ah bah d'accord. Je peux toujours monter ici. Il y a forcément un truc là. Attends une seconde, mon ami. Bon, maintenant faut venir ici, les gars. Vous vous débrouillez. Et je vous veux ici. Avec... Oh, esquivé là. Parfait.
Ouais, mais je suis à fond de vie. Un fou. Oh. Dis donc, qu'est-ce que tu faisais là, toi? Intéressant, ça. C'est une fleur? Eh oui. Ils sont encore loin, mes amis, là? Ah ouais, ils font le tour. Super. Oh, la vache. Ouais, ouais, je suis d'accord. Sale bête. Salut les mecs! Petite photo? Allez, on sourit. Ok. Avec lui. Parfait. C'est terminé. Bon, c'est terminé, faut vite le dire. Où tu vas, Darouk? Je ne sais pas qu'on traverse ça. Il a craqué, mais... On peut changer de perso. Je suis pas trop loin. Contre qui il se bat, lui, là? Ah. Ouh. J'arrive au bon moment. Bon, on n'est pas encore au sommet de la montagne de la mort. C'est un kokiri, ça. Enfin, un korogu.
Oh là, la caméra. Au secours. Ok, je vais vomir. Est-ce que je peux monter là-haut? Est-ce qu'il va y avoir un coffre, un truc? Ok. Tu es mort, mon ami. Tu le sais, ça. J'aurais bien essayé de contrer son attaque pour voir. Allez, vas-y, envoie. Yes. Ok. Ça, c'est une bonne chose de fait. Comme ça, maintenant, on peut se concentrer sur notre cher ami. Oh, oh, oh. Il a fait la bombe. Pourquoi ils me disent de changer de perso? Ça va pas ou quoi? Je suis en plein combat. Ouais, moyen. Oui. Secours. Ok. Ok. Ah, terrible. Nice. Allez, prends-moi son malin. Ah. Ah, ça va, il me laisse le choix de quel je veux vendre. Alors évidemment, on va dégager les branches parce qu'on s'en fout des branches.
Les battes de Bokugan, il faut aussi. Hein. Ça devrait suffire, hein, non? Ouais. Ok. Petite cinématique, c'est possible. J'aimerais bien voir le village Goron. Ce serait sympa. Gros chargement, si c'est une petite cinématique. Oh. À bien y regarder. Il est vraiment énorme, hein? Okay. T'as raison, on fonce dans ça. J'ai les poings qui me démangent. Bien sûr. Ok, on va à nouveau jouer la créature. C'est parti. Alors, pluie de lave, piétinement, contre-attaque. Contre-attaque, ok. Infinie, c'est la base. Normal. Cadeau. Allez, faut avancer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Voilà, ça c'est fait. J'ai l'impression qu'ici il y a quelqu'un.
Ah, te voilà. Je t'ai vu. Voilà. Merci, au revoir. Non, mais le gars. Ah ouais, une armée. Ouais, useless. Ça dégage. Bon, encore plus bourrin que tout à l'heure. Enfin, encore plus bourrin qu'à l'épisode où il y avait... c'était Vamedo. Non, c'était pas Vamedo. Si, c'était Vamedo. Donc ouais. Heureusement, c'est relativement court. Donc ça passe encore. Si c'était un peu plus long, eh ben, ça un peu répétitif. C'était soudain, mais on s'en est plutôt pas mal tiré. Faut dire que tu t'en es sorti comme un chef, hein, petit gars. Et pour cette histoire de pilote de Roudania, eh ben, vous pouvez compter sur le grand Darouk pour vous aider. Je te remercie, Darouk. De rien. Si jamais il se pointe, il va pas comprendre ce qui lui tombe dessus, votre fléau Ganon. Ah oui, j'oubliais. Tu dois avoir la dalle après une bataille pareille, non? J'ai justement ce qu'il te faut.
Mon gigot de caillasse Pristan, tu m'en diras des nouvelles. Ça met l'eau à la bouche, hein. Mangeons-le ensemble, petit gars. Non, je suis désolé. J'aurais dû en apporter un aussi pour la princesse. La prochaine fois, je vous préparerai un rocher de première qualité. Merci, c'est très gentil. Je pense que le lendemain, sur le trône, Link va avoir quelques petits problèmes. Ça va piquer. Darouk, héros Goron. Le champion des Gorons possède un pouvoir de protection capable d'arrêter tous les chocs. C'est ce pouvoir de bouclier qui lui a valu d'être choisi pour piloter la créature divine, Varudania. Ce guerrier au grand cœur est très attaché à la montagne de la mort dont il est originaire. Ouais, lui et tout son peuple d'ailleurs. La galerie a été mise à jour. Ok, ok. On verra ça. Bref, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, hein, vous mettez le petit pouce en l'air, le commentaire qui va bien, le partage qui est essentiel, l'abonnement évidemment. Et si vous voulez pas louper la suite, vous cochez la petite cloche. C'était Brocorse. Je vous dis à plus.